On fera pas de commentaires. Merci Robin. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle journée avec Robin qui a encore fait une bêtise comme je vous l'ai montré juste avant. Moi je reviens de course et quand je rentre, Robin a fait ça. Voilà, on est content. Donc Alexis il est en train de nettoyer. Génial. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais même plus, ça m'a un peu gavée. En ce moment Robin c'est le roi de la bêtise hein. Franchement j'en ai marre. Il fait tout le temps des bêtises. Pour vous dire, il a pris des cailloux pendant qu'il était dehors et il a rayé le capot du Tiguan, là, notre ancienne voiture. Il casse des choses, il déterre absolument tout ce qu'il peut alors qu'il ne le faisait pas avant, il ne touchait pas aux plantes. Donc maintenant je dois tout mettre en surélevé. C'est vraiment quelque chose qu'il ne fait pas normalement. C'est pour ça que nos plantes étaient à portée de main, c'est qu'il n'y touchait pas jamais. Mais depuis qu'il nous voit jardiner, je pense que ça lui donne des envies de terre, vous voyez. Et donc du coup il a encore tout déterré, voilà. Donc y en a marre. Donc je ne mets plus à portée de main, c'est sûr et certain. Et voilà, c'est vraiment, on est sur, vous savez, la phase d'opposition là des 2 ans qui est insupportable pour tout parent qui subit cette étape de vie. Donc bon bah écoutez, on fait avec, hein, c'est comme ça et puis c'est tout. Mais c'est pas tous les jours jovial. Hein. Il y en a qui me disent, je sais pas comment tu fais pour être zen, mais pour rassurer, je suis rarement zen. Sincèrement, je suis rarement zen. Parce que là, tous les jours, sans voir autre chose que nous, c'est parfois compliqué pour tout le monde. Et fais pas cette tête de ronchon là, Robin. Je te vois. Ouais. T'as fait des bêtises, hein? Oui. D'ailleurs, Robin passe le plus gros de son temps dehors avec son père. Et il revient tout le temps, tout pourri. Il a des bobos partout. C'est un truc de dingue, franchement. Il est très casse-cou, Robin. Et il se fait tout le temps mal. Il tient pas sur ses pattes. Oui, on fait attention. Je vais trouver des petits Playmobil, un petit lot de petits personnages. Voilà, qui vont à l'école avec un sac à dos. Bon, en tout cas, j'espère que vous, ça va, qu'avec vos enfants, tout roule et que le temps est pas trop long parce qu'il faut trouver des activités, il faut tout trouver, il faut occuper pour éviter que les enfants s'ennuient et soient ingérables. Et que la santé surtout va bien. Voilà. Bon, je vais ranger mes petites courses et on se retrouve après. J'ai très faim d'ailleurs. Il est quelle heure? 11h. J'ai pas pris mon petit déj. Je commence. Enfin, je prends jamais de petit déj. Je prends mes trucs Natural Mojo quand j'y pense, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc, du coup, je crève la dalle. J'ai le ventre. Il va rentrer et on va plus me voir. Bon, coup d'aspirateur passé, chorizo mangé. C'est très long. J'ai acheté des petites fleurs. Voilà. Encore? Encore. Pour fleurir encore. Désolé, je parle en mangeant, c'est pas du tout poli. Quoi. Bon, ce midi, qu'est-ce qu'on va manger? Toi. Tu peux fermer, Robin?
S'il te plaît. Oui. Hop, tu es ici. Merci bien. Non. Bah je sais pas. Le réveil de mademoiselle. Attends, je me mets à jour. Coucou. Il est belle. Ouais. Voilà. Tous les matins, tous les midis, tous les après-midi. C'est pareil. Toute contente. Ah, t'es belle. Les petits sont à la sieste, sauf Abby, elle va y aller, elle vient de téter là. Alex vient de recevoir un colis, alors moi j'étais surexcitée, j'étais en train de... Yes, j'ai un colis qui est arrivé, mais en fait absolument pas, c'était pour lui. Voilà, monsieur s'est acheté une nouvelle meuleuse. Sur batterie. Celle que t'as, elle était pas sur batterie? Non, c'est genre les deux. Ouais, voilà. Donc du coup, bah... Il est content, voilà. C'est ce que c'est. Donc ça c'est cool, j'ai ça à détendre après. Je le ferai après notre partie, là on va jouer à Call of Duty. Enfin, vous n'avez pas joué. Et je vous ai pas dit tout à l'heure, mais j'étais à Lidl. Je me suis dit que je trouverais des petites choses intéressantes niveau fruits et légumes parce que à Leclerc c'est super cher. Je sais pas si vous c'est pareil, mais on avait eu quelques échanges sur Insta et vous étiez quand même assez nombreuses à me dire que vous avez eu des changements au niveau fruits et légumes des prix. Et là, franchement, c'était super intéressant. J'ai trouvé des groseilles, non, des myrtilles. Des myrtilles vraiment pas chères, moins d'un euro et tout. Donc j'étais trop contente. Donc j'ai pris plutôt. J'ai pris plein de fruits et légumes. Et après, le reste, j'étais pas super emballée parce qu'à Lidl, il n'y a pas grand chose quand même comme choix. Je retournerai quand même en course samedi. Parce que demain c'est férié, on est vendredi demain. Sinon pendant mon absence Alexis a modifié la salle de jeu. Donc bon bah je laisse comme ça. Mais il a juste enlevé deux passants là. Vous voyez les trucs blancs ou roses là. Il en a enlevé deux pour raccourcir le parc. Vous étiez quand même nombreuses à me dire si le parc il pouvait se moduler ou quoi. Parce que vous aviez pas forcément 4 mètres carrés de place dans votre maison. Ce que je peux totalement comprendre, oui. Parce que nous dans notre maison on va pas mettre un parc de 4 mètres carrés hein, c'est juste trop gros. Mais là vous voyez il est beaucoup plus petit quand même. Et faut savoir que c'est modulable. Vous enlevez les barres que vous voulez, bah voilà. Tant que vous gardez des angles, tout est ok. Et voilà, bon, celle qui voudrait savoir, le lien est en barre d'infos ou sur mon blog. Je sais pas ce qui est mis en barre d'infos, faudra que je regarde. Mais bon, bref, vous avez le lien. Et j'ai trouvé ça chez Lidl, un tapis. Alors, je sais pas si on le trouve toujours. Il fait 1m10 de circonférence et il y avait plusieurs motifs. Moi j'ai pris ce motif glace qui est trop mignon. Ouais. Et le dessous il est antidérapant. Regardez, vous voyez ça bouge pas. Donc ils ont des bandes, la matière ici elle est sponsorisée par Lidl. Ouais, ça c'est Lidl, ça c'est Lidl. Par contre ce petit vélo est très sympa. Donc voilà, je suis très contente pour 10€. Bah c'est cool. Donc bon, tout est nettoyé, serpillé, etc. Vu qu'ils avaient fait, Robin avait fait des bêtises. Donc c'est cool. Et j'étais voir mes poules, donc elle est en train de couver actuellement 19 œufs. Parce qu'elle a volé des œufs des autres pendant le début de couvaison. Oui, il y en a 19 au lieu de 10 initiales. Donc elle est bien dans le nouveau poulailler, ça se passe bien. Elle descend pour manger, pour boire, pour grignoter un peu d'herbe. Donc Pierre remonte pour les recouver. Et j'ai vu là en allant chercher mes œufs que j'avais encore deux poules qui couvaient. Donc elles sont toutes à fond. Donc je vais voir, je vais les noter pour pas qu'elles piquent les œufs d'autres œufs et qu'on s'en rende pas compte. Parce qu'après ça fait des éclosions dans tous les sens, c'est n'importe quoi. Et bah, on suivra cette petite aventure. Hein. Rendez-vous dans une petite vingtaine de jours. Donc voilà, je vous montrerai de toute façon les petits poussins, c'est toujours très mignon. Et puis bah écoutez, je vais vous laisser, je vais recharger ma batterie maintenant. Je vous retrouverai après parce que ça clignote. C'est tout rouge. Donc voilà, ma batterie. Ah j'ai pris des nectarines aussi. Je les ai vues, j'ai fait oh yes. J'adore les nectarines, j'adore les fruits d'été. Donc nectarine, melon, j'ai pris les deux, j'étais très contente. Enfin bon. Allez, on recharge. Papou, regarde. Papou, il se nourrit. Il veut montrer à Papou qu'il y a Abby en fond d'écran.
Il n'y a plus rien dedans. Tu mets à la poubelle, Robin? S'il te plaît, merci. Voilà, super. Il y a une autre. Oh bah ça va, toi. La vie est belle, moi je vous le dis. J'ai acheté un balai. Et Alexis l'a mis comme ça. Parce que Robin, il arrête pas de vouloir le prendre. C'est un voleur de balai, Robin. Il adore les balais. D'ailleurs, il en a un Vileda petit, version pour enfants. Non, 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 chaton, on laisse fermer. Et une serpillière, pareil, en miniature. Mais le balai, il est en bas, c'est ça? Faudra que je le remonte, du coup. Il est dans le garage, donc faudra que je le remonte pour qu'il puisse jouer avec, parce que du coup, il essaie de voler tout ce qu'il peut. Bon, je suis en train de faire à manger. C'est haricots verts et Colin d'Alaska façon meunière. Et puis pour Abby, c'est de la ratatouille. Hop, voilà. Bon, une couche de changer. Et Abby, elle est dans le parc, en train de jouer un petit peu. Parce qu'il est 19h et qu'on a déjà mangé. Bonsoir les amis, il est 20h19, j'ai l'impression qu'il est 6h du matin, tellement que je suis fatiguée. On a fait un live là de, je sais pas, peut-être une petite heure. Tac. Sur Instagram, donc c'était sympa. Si vous me suivez pas, mon Instagram c'est Justine Family. Et on a papoté un petit peu en live, c'était cool. Vous avez vu Robin faire 6 000 et une bêtise plutôt, voilà. Il en loupe pas une. Il trouve tous les trucs possibles et imaginables à faire. Voilà, il dérange tout. Il fouille dans les placards. Les 2 ans, je vous jure, les 2 ans. Enfin bon, bref, on va pas en reparler pendant 20 ans. C'est pratiquement tous les enfants pareils, pratiquement bien sûr. C'est un cap à passer, ce n'est pas très grave, ça passera. C'est juste que c'est fatigant. Mais bon, ça me pose pas de problème. Hein, que vous, ne vous mettez pas ça dans la tête. Ça ne me pose pas de problème. Je sais que ça va passer. C'est juste que je le dis, voilà. Hein. C'est important de savoir qu'il n'y a pas toujours tout qui est toujours tout rose chez tout le monde. Qu'on n'est pas tout le temps bienveillant et calme et patient. Parce que c'est pas mon cas. Hein. Voilà, je ne vais pas vous dire que je le suis tout le temps. Je suis une bonne partie du temps, mais pas tout le temps. Donc voilà, moi aussi comme potentiellement vous, ça m'arrive de me mettre à hurler tellement que je suis au bout du rouleau. Mais c'est humain en fait, hein, voilà, quand vous avez accumulé un certain degré de... Vous voyez, il faut que ça pète quoi. C'est mieux de crier, de se décompresser, c'est pour ça que le sport pour moi était quelque chose de très important. Ça me permettait le soir de décharger de ma journée fatigante. Mais pour tout vous dire, comme je vous l'ai dit dans le live, je n'ai pas fait de sport depuis le début du confinement. Ça commence à me manquer, ça commence à se voir. Surtout, pas physiquement, ça n'a rien changé. Ça commence à se voir psychologiquement. J'ai besoin d'évacuer. Donc du coup, ce week-end, c'est prévu. Je m'octroie une bonne séance. De cardio, j'ai prévu de faire cardio, on fera du renforcement un peu plus tard, mais là vraiment un cardio pour vraiment bien éliminer tout sur des vidéos de Juliana. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est prévu. Bon, il est 20h21 maintenant, je vais aller prendre ma petite douche. Je sais pas si je vais retrouver après, je vais remettre mon téléchargement en route parce que pendant le live ça ne faisait que de sauter parce que j'étais en train de prendre toute la connexion de mon internet avec la console. Je suis en train de faire une mise à jour de Call of Duty, reprendre, voilà, il reste 4 heures, j'y jouerai pas ce soir du coup, hein. Je comptais y jouer ce soir mais j'ai fait mon live donc je ne jouerai pas. C'est pas grave, je ferai autre chose. J'ai des vidéos à rattraper, mais genre tellement de vidéos. J'ai regardé aucune vidéo depuis le début du confinement. Enfin, une ou deux vidéos fringues, mais c'est tout. J'ai pas regardé de vlog, j'ai pas regardé les familles que je suis d'habitude. J'en suis pas non plus 50, hein. J'en suis vraiment très très peu des familles. Mais je l'ai pas suivi du tout. Et du coup, ça me manque. Ma maison est sans dessus dessous, parce que pendant le live, regardez ce que Robin nous a fait quand même. Voilà, et dans la salle de jeu, hop, voilà, dans la salle de jeu,
Voilà ce qu'il m'a fait. Donc voilà. Je suis floue là. Mais Eo, est-ce que tu vas y arriver? Bon, je sais pas ce que j'avais fait à mes réglages, mais du coup on voyait plus rien. Donc là c'est bon, c'est rétabli. Je voulais donc vous dire que j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Demain du coup je reprends ma caméra, il n'y a pas de problème, je filmerai ma journée. J'espère qu'on fera des petites choses intéressantes. J'ai prévu de faire du ménage et tout, donc je pense que je l'engloberai dans ma vidéo. Je ne veux pas m'avancer, je me dis plus rien. Je sais pas si j'aurai le temps de le faire, enfin... de penser à le faire, en fait, à mettre mon trépied et puis à me filmer. Mais bon, on verra bien. Mais de toute façon, bien entendu, je vous prendrai demain avec moi. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Bye. J'aime trop ce tapis.